Il y a Cal qui m'a envoyé un message, elle a dit qu'il faut que je te parle pour t'expliquer pourquoi j'ai quitté la police. Elle m'a dit viens seul. Ouais, Wahida, ça va ou quoi? Il m'a dit c'est lui qui m'a kidnappé. Pinto, c'est un artiste, voilà, c'est un artiste. Bonne nouvelle, tu n'es plus tracé par la LFC pour cette affaire de kidnapping. Mais quoi? Oh, non, ils vont se marier. J'en ai rien à foutre. Demandez de vous mettre sur le bas-côté et me suivre, s'il vous plaît. Allez, bon courage. Remonte. Mais qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, on est là. Du coup, alors, les infos que Pinto t'a transmis, c'est quoi du coup? Il fallait se méfier d'une voiture de sport blanche. Pablito Pinto. Ok, il a pas de PPA. Ah, ça t'es que le permis. Les policiers, ils m'ont interrogé et donc je leur ai dit que je m'étais fini à kidnapper et tout et tout. Et ils m'ont dit, c'est pas un certain DiCaprio, ni ni. Il m'a rien appris du tout. Perte de temps, là, tout. Il n'arrive pas à quel. Ouais, je dis bas, ça va ou quoi, mon fouet? Vous êtes actuellement en état d'arrestation. Ah, monsieur l'agent. En arrestation de quoi? Tout ce que vous direz. Montez dans la voiture. Montez dans la voiture. La vie d'homme, je suis pas en état d'arrestation. Montez dans la voiture. Putain, ils ont emmené Hawk et Jibril, frère. Ouais. Ouais. Bon, bah, je vais les attendre ici au calme. J'espère qu'ils ont pas pris 10 ans. Vague des véhicules. Oh là, c'est un délit de faciès. Bande du chien de la case, va. Putain, je suis devant chez les flics. Ah bah super, la journée commence bien. Ok, d'accord. Bon, est-ce que j'ai... Bah voilà, j'ai des messages, Jibril. Au calme, bébé. Pourquoi? Ah, parce que je quittais la ville, ok. Dana, prends soin du scooter, hein. Ah merde. Oui, ouais, t'inquiète pas. Il va... Bah j'espère qu'il va bien. Demba, du coup, je l'attends toujours ou c'est mort, Franky? Bah Demba, je pense qu'il s'est mort, hein. Vraiment, là, c'est mort, à mon avis, hein. Bon, ce qu'on va faire, attendez, on va... Je vais d'abord... Wesh, j'ai vu un mec avec un fusil à pompe, là. C'est quoi ce délire? J'espère que c'est un flic. Voilà, je l'ai vu... Ah, c'est des mesures de sécurité maintenant. Il y a des trucs comme ça. Ah bah mon vieux. Bon, attendez, je vais appeler Hawk là. Ouais, c'était un flic, ok, d'accord. Je vais appeler Hawk. Hey. Ouais, Hawk, ça va quoi, bébé? Et toi, mon pote? On est là, je suis au niveau du Kumiko, faut que j'aille me changer là. Tu viens ou tu me rejoins? Vas-y, je vais juste plier un petit chinois ici au parking, ils arrivent, d'accord? Tu dois quoi? Je dois le plier en deux là. Ah ouais? Pourquoi c'est un rouleau de même? Ouais, justement, je vais voir s'il y a moyen, tu vois, parce que. En bref, c'est un mec sur qui j'aimais bien me défouler, tu vois. Attends, comment il s'appelle? C'est Chang? Non, je sais plus c'est quoi son nom, mais je l'appelais Jackie Chan, tu vois. Jackie Chan, eh bah mon vieux. Vas-y, ok, hey, Jibril, des nouvelles ou pas? Bah écoute, j'ai envoyé un message, je crois qu'il m'a répondu, mais tu m'as appelé en même temps. Ah, ok, d'accord. Vas-y, bah vas-y, moi, du coup, je vais me changer là. Véhicule et je te contacte. Vas-y, allez, bisous. Vas-y. Il a dit qu'il voulait plier un chinois, mais il a cru que c'était une feuille A4 ou quoi? Pas très bien compris. Attendez, s'il vous plaît, je passe. C'est quand même du Capri. What the fuck? Il m'a fait peur lui. Voilà comment ils conduisent ici les gens, c'est un truc. Arrêtez! Putain! Pas de me faire percuter là, ça va pas ou quoi? Ouais, j'étais mal au trader au calme. Allez, on va changer là. Faut que je change ma coiffure aussi. Ah oui, et je vais acheter une nouvelle arme. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Un haut de beau gosse, alors attends. Un haut rouge, c'est bien un rouge. Ah, par contre, attends, par contre, les chaussures ça va pas du tout, wesh, t'es sérieux? La machinée, elle va pas du tout être contente, la machinée, si tu vois ce que je veux dire ou pas là. Ah, ça c'est du chaussure de beau gosse. Là, on est bien. C'est juste pour essayer de faire ma diversion, tu vois. Après, je change de coiffure aussi. Putain, ça coûte de l'argent, mon pote. Je vais dire à Hawk de venir me chercher, tu vois. Ou je vais dire à Jibril de venir me chercher. Viens me chercher ici, mon gars, là. T'as, comme ça, je vais aller me changer, changer de coiffure. Je vais appeler Jibril. Au calme. Magasin de casquette. Wesh, douceur des îles. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Fichier nuptial. Bah oui, t'es où là? Je t'envoie ma position. Là, je dépose ma meuf au parking central là. Oh putain, bah vas-y, viens me chercher, je t'envoie la position par message. Au calme, ah, faut que je te parle. Ah, c'est urgent là. D'accord, ok, bah vas-y, bah je t'attends alors, viens me chercher, je t'envoie la position. Au calme, j'arrive. Et à la bise. Ouais, parce que là en fait, j'ai un flag, j'ai des lacrymos, j'ai ça, j'ai de l'essence, au calme. J'ai une lampe, j'ai un couteau. D'ailleurs, la lampe elle nous a bien servi hein, quand on a buté Ethan. Hein. Et vu qu'il faisait noir. Hey. Et là, non, là-dedans, hein, DiCaprio! Tu crois quoi, ça le fout, va? En fait, le but, là, de DiCaprio, c'est vraiment de soulever tous les gens qui tournent autour de lui pour justement éviter que les gens m'approchent. Parce que vu que je suis recherché, tu vois, ça va les dissuader. Ouais, Hawk. Ouais, t'es au magasin de vêtements à côté du Comico? Ouais. Je suis passé devant, je t'ai pas vu. Non, je suis caché derrière. Attends, j'arrive. Vas-y, go dans le magasin. Ah là, j'arrive. Parce que Ah, donc toi, tu te raccroches comme ça, toi? Bah ouais, mon pote! Oh là là! Mais qu'est-ce qu'il est beau! Attends, go changer de coiffure et go armurerie. Ah, bah ouais, si tu veux. Ah bah oui, bien sûr je veux. Je pense que t'es le meilleur client, c'est le coiffeur, hein. Ouais, mais t'sais... Il faudrait qu'il te fasse une carte, hein, je pense. Bah j'ai déjà une carte! Je suis déjà ciseau d'or! À ciseau platine, normalement il m'offre des cheveux. Parce que j'ai un début de calvitie. Ah ouais? Donc il te fait des extensions, quoi. Exactement. Gratuit ou pas? Rien n'est gratuit, frère. Voilà, une claque, c'est payant dans cette ville. J'ai envie de dire bienvenue en Amérique. Ouais. Prochaine à gauche. Ah, prochaine là. À gauche. Tout. Ouais. Quand tu parles, j'ai l'impression que ça de pire en pire. Ouais. Attends, Jibril qui m'appelle. Tu peux envoyer la position Jibril? Ouais, je vais le faire, t'inquiète. Ouais, fraîcheur nuptiale. T'es où? C'est bon. Ok, il t'envoie la position, je suis chez le coiffeur. Vidéo call. Et là, bisous.
Tu te changes pas, Hawk? Voilà, change-toi. Je vais me changer. Ouais, change-toi. Ah, je vais me changer, t'inquiète. J'attends que tu finis. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Petite coupe fraîcheur ou calme. Ah, la coupe biker ou calme. Pa fuck. Pa pa. C'est quoi cette coupe? C'est une coupe, tu sais. J'ai la mouette. Bah voilà, bah je suis une mouette. Oh oh. Croire, croire. Oh. Eh, faut que j'aille retirer de l'argent, bébé. Ouais, c'est... Combien ça coûte le pistolet qui fait des bzz bzz? Pistolet qui fait des bzz bzz. On peut vérifier ça avant. Vas-y. Miskin Jibril, il va encore dire: putain, vous êtes où les mecs? Attends, casque. Le casque, why? Why? Je t'ai dit de mettre le casque. Oh, traqué là, vous êtes des cochons. Voilà, eh, Guarmurie. Ça va quoi? Eh, venez vite. Ah, venez vite. Quoi? Venez vite, je vous parle à la planque. Attends, voilà, attends, vite fait armurerie, tout ça, et après on voit la planque, ok? Vas-y, au calme. Ouais, il s'est encore passé. Je sais pas, il va me parler d'un truc, il m'a dit c'est urgent. Il veut nous tuer surtout, ouais. Voilà, de ouf. Why? Voilà, je monte avec Jibril, j'en ai rien à foutre. Mais c'est quoi, tellement c'est bête, putain! Mais c'est quoi ça? Voilà, t'es plus mon frère. Voilà, y'a pas mieux que le confort de Mireille. Mais il est malade ou quoi lui? Voilà, il veut me buter avant l'heure. Le confort de Mireille, c'est le meilleur. 29 ans, il veut me buter à 29 ans et 2 jours. Ah bah mon vieux. Voilà. 29 ans et 1 jour. Jibril, ça coûte combien le pistolet qui fait des bis-bis? Ah, attends, je vais voir. Oh, ça a la coupe. T'as vu un peu? On est là ou on est pas là? Tu coques les cons. Ah ouais, on est là, t'inquiète même pas, regarde, on est là. Ouais, c'est 1000$ le taser. Ah ouais. Ça a doublé, hein. De ouf. Chauffe, j'entends pas les rageux. J'entends pas les rageux. C'est un casque imitation, c'est sûr. Voilà, bon, venez ouais, les gars. Ça, c'est... Je vais retirer l'argent, puis... C'est Dick by Dre, celui-là. Ouais, je te jure. Voilà, de ouf. Ouais, j'étais mal les casques, on respecte rien du tout, voilà. Voilà, fais là. Vas-y, go la banque à côté, puis on revient. Après, on ira à la planque. Oh, faut que je vous parle, là. Va falloir qu'on soulève un mec, là. Sérieux? Encore? Ah, j'ai... Je suis chaud, moi. Voilà, je suis chaud, frère. Il y a toujours les histoires. Voilà, je suis chaud de ouf. On va se lever, mec, là. Je vais te raconter l'histoire après. Vas-y. Bonjour, Roger. Je vais prendre le pistolet qui fait des bzz. Ok. Pistolet paralysant. Ok. Je l'ai au calme. On va faire des bzz. Ok, c'est bon. Il y a un mec, un blond. Tu te rappelles hier, il y avait un blond au parking central. Un blond au parking central. Attends, je bois. Ouais, il a félicité. Enfin, il a kiffé ma coupe, quoi. Ouais. Les cheveux blancs comme moi. Ouais. Il est venu me voir, là. J'étais avec Dana. On est. En train de changer, et puis il est venu me voir. Il a commencé à parler et tout. Il m'a dit que c'était une nana. Vous êtes une nana? Ouais. Et qu'est-ce qu'il cherche? Il y a moins qu'on le braque pour avoir du nana facilement en fait. Ah ouais, ouais, bah oui. Sur un point, frère. Ouais, bien sûr. T'as son numéro ou pas? Ouais, il a fait mon nom, mais j'ai plus un. Vas-y, il s'appelle comment? Aucune idée, je vais lui demander. Vas-y. Pas trop parler avec lui, il m'a juste parlé après, il m'a dit ouais. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait du nerf avec lui, et puis on le braque, et puis on se casse avec sa marchandise, quoi. Ou bien un truc un peu plus rusé, toi tu fais du nerf avec lui, et moi et Hawk, tu le tues en truc, et puis dès qu'il commence à vendre et tout, bah on vous braque, et puis voilà, quoi. Ouais, on a bien Hawk, il est là. Et c'est ce mec là que tu veux soulever? Non, c'est un autre. Ah, ok. Oui, c'est juste pour avoir du nana facilement, tu vois. Ouais, comme ça on peut vendre tranquillement, tu vois. Ouais, tranquille. Ou au pire, vous vendez, après on le braque et puis on prend son argent, tu vois, pour être safe. Pire, après, ça dépend, est-ce que tu veux l'argent, est-ce que tu veux le nana, tu veux quoi, toi? Ah, moi je veux l'argent, frère, y'a pas de sous. Wouh, stressé ou pas? Tranquille. J'étais en mode, c'est qui lui? Ouais, je veux. Assieds-toi, je te fais un massage, là, vas-y. Voilà, Netflix. Moi, ça va, dans la douche, je te fais Kessel. Netflix ou calme? Vas-y. Eh, vas-y, Jibril, raconte à Hawk un petit peu le gars là. Ouais, ça va, je passe incognito ou pas comme ça? Bah ouais, mais la casquette, c'est toujours la même, hein? Ouais, c'est toujours la même. Attends, mais bon, fais comme moi, frère. Vas-y. Pourquoi tu veux être incognito? On dirait que t'as cherché. Il est pas. Là, il veut faire les flics gratuitement. Non, mais là, il est pas. Là, il est pas incognito, là. Il est au cognito, là. Voilà, on te connaît direct, mon pote. Voilà, c'est par plaisir qu'il fait ça. Vas-y, Jibril, raconte-lui. Vas-y, déballe. Attendez, les mecs, attendez. Nouvelle arme! Nouvelle arme! Essaye-la sur Hawk! Sur Hawk? Maman! Attends! Ça fonctionne là ou pas? Pas Hawk, non, ça c'est pas Hawk! Ça fonctionne pas, ça? C'est pas Hawk! Là, ça fonctionne là! Ça fonctionne bien? Les piles sont chargées ou pas? Ouais, ça. Vas-y, attends, recommence pour voir si elles sont bien chargées! C'est bon là? C'est rechargé ou pas là? Eh, les piles, comment ils sont énormes? Jibril, il est resté plus longtemps que Hawk! C'est quoi ça? C'est bizarre! C'est résistant! Tu peux le tuer, arrête! Ah ouais? Tu peux le tuer? Oh non, merde! Bah ouais, ça peut tuer quelqu'un! C'est bon! Ok, non, c'est. Non, mais regarde, t'es là, Jibril, il est résistant, là, de ouf! Ok, c'est bon! Attends, j'ai pissé, là! Ça t'a débloqué la vie, ou quoi? Il a failli me chier dessus! Ah ouais! Parce qu'il était constipé, tu l'as aidé là! Ah, Allah!
Ah, juste. Pire que la Risa. Bien pour bien viser là. Attends, attends, attends. Restez pas à côté de moi. Ok, d'accord. Vas-y, viser dans le trou. Dans le trou ? Les trous. Voilà. Vas-y, vise les trous. Voilà, elle est stylée de ouf, hein. Attends, 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 attends. Essaye de viser entre nous deux, entre nous deux. Vas-y, fais-toi vibrer. Non, non, non. Entre vous deux. Hop là. Attendez, entre vous deux, entre vous deux, entre vous deux. Non, mais. Entre nous deux, attends. Ouais, ouais, entre nous deux, entre nous deux. Vas-y, entre nous deux, entre nous deux, vas-y. Entre nous deux. Ça t'aide. C'était pas. Attends, attends, c'est bouche à bouche. Bouche à bouche. Wouah, le break qu'il a fait. Wouah, il est souple. Voilà comment il est souple. Jibril. Ah putain, tu m'as fait peur, frère. Bon, c'est bon, c'est bon, les... c'est bon, c'est bon, c'est chargé. C'est chargé là, c'est chargé. Attends, parce que tu m'as fait réveiller un truc là. Ah ouais? Comment ça? T'as une vision? Ouais. Non, il y a un truc qui s'est réveillé. Ah! À cause d'électricité. Ah! Ah! Je crois qu'il a eu. Comment on dit? Ouais, 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 ouais. Voilà. Là, l'avocat, le juge s'est levé, quoi. C'est ça, ouais, le manteau du juge, il est. Jibril, vas-y, raconte, raconte en même temps que tu te touches là. Raconte à Hawk ce qui s'est passé là. En gros. Attends, descends, arrête. En gros, il y a un mec. Avant, quand vous veniez en ville, avant qu'on soit ensemble. Eh ben, ouais. J'étais avec une petite équipe, tu vois, une petite équipe vite fait, mais on a fait juste une opération, tu vois, un run de 8, et c'est tout. Et j'avais cette équipe, et j'avais un pote à moi avec qui, c'était mon gars sûr lui par contre, c'était mon gars sûr. Cette personne, elle a été braquée par le groupe qui était avec moi. Ce qui a fait que, en gros, quand ils l'ont braqué, ils lui ont dit de ne raconter ça à personne. Sauf que moi, vu que j'étais son gars sûr comme son frérot, eh ben, il est venu direct me raconter. Mais je lui ai dit de ne pas me raconter. Je lui ai dit, me raconte pas cette histoire, je suis au courant qu'ils t'ont braqué et tout. Il m'a donné un rendez-vous, il m'a parlé d'un truc, de la weed. Et après, il m'a parlé de ça. Sauf que les gangsters qui l'ont braqué, ils lui ont dit que si il révélait cette histoire à quelqu'un, il allait mourir. Ok, donc il est mort. C'était avec moi. Ok, donc il est mort. C'était soit moi qui mourais en fait. Si je leur disais non, ben il est mort en gros. Ah ouais, rip. C'est ça l'histoire, grosso merdo. D'accord, donc en fait, ils l'ont braqué une première fois, il est dit de rien dire. Lui, comme un con, il t'a raconté. Ouais. Donc ils l'ont su. Ils ont quitté la ville. Et ils l'ont soulevé au calme. Ouais. Ok, et ces mecs-là, c'est qui? T'as leur numéro? T'as leur nom? T'as leur visage? T'as quoi? Numéro, nom, prénom, j'ai tout. Bah voilà. Y a des mecs là qui. On va soulever. On va soulever. On va soulever. James. En plus, c'est le nom que je déteste. Voilà. Tous les James, c'est des fils d'épée. Voilà. Voilà. Tu te rappelles de James Anderson, Hawk? Okay. Jam. Bah ouais. C'est qui en fait? C'est un fils d'épée qui est dans le ciel. Ah, maintenant. Si. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un fils d'épée avec des ailes. Attention. Fils d'épée avec des ailes, au calme. Un fils d'épée qui met des amandes dans le ciel maintenant. Hein. Voilà. Bon, et bah vas-y, appelle-le. Ah, et combien de rendez-vous? Va faire tes patrouilles dans le ciel, bâtard. Est-ce qu'il se méfie de toi, le gars là? Il se méfie de toi ou pas? Non, il se méfie pas de moi du tout. Frère, ramène-le dans l'appartement, on le soulève, frère. Maintenant? Maintenant, tout de suite. Frère, si on le ramène ici, il va connaître notre planque, donc autant la garder ici. Frère, s'il rentre, il ressort pas d'ici. Et c'est qui? Ah bah attends, il se met. Il y a un frigo. Tu vois le frigo là. Voilà, Jibril, t'as pas dit que tu as acheté une machette pour remplir ce frigo là de viande fraîche? Mais si, bien sûr, j'ai des doigts à collectionner. Attends, y'a pas un moulinex là, un truc comme ça là, pour broyer tout ça là? Moulinex, attends, y'a. Oh bah ça, y'a ça là. Regarde, j'ai une caisse à outils, attends, je vais voir dedans. Voilà. Appelle-le Jibril. Vas-y. Ouais, appelle-le. Moi, j'aurais proposé une petite balade avec ce dénommé, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, on va faire une balade. Ramène-le dans l'appartement et après on fait une balade. Ouais. Je crois qu'on va l'emmener. On va prendre l'air pour une fois. Ouais. Je sais pas si vous avez des idées. Ouais. L'air marin. Ça m'a manqué un petit peu l'air marin. Ah ouais? T'as envie? Bah, de ouf. Bah, écoute, on va essayer de trouver un petit bâton. Allô? On fait ça, alors. Ouais, je t'entends pas. Allô? Il s'écrit dans un cybercafé au bled, voilà. Allô, qu'est-ce que tu fais? Allô? Allô? Il y a plus de crédit. Vite. Il y a plus beaucoup. Attends, peut-être qu'il a plus de crédit. Envoie-lui un message. Parlez par message. Ouais, je lui parle. Ouais, mais m'envoie un message. Quoi, voilà? Je lui ai envoyé juste la position, frère. Tu lui envoies la position là? Ouais. Vas-y. Attends, Hawk, moi et Hawk, on va bouger d'ici. Tu nous tiens au courant? Ouais. De toute façon, tu me dis sur la radio. Viens. Hawk, là. Ouais. Voilà, juste là, ça suffit. Ouais, alors? Ouais. Ouais, tu m'entends sur la radio, Jibril? Ouais, je t'entends, ouais. Ah, parfait, Bastou. Tu nous feras comprendre ou quoi, tu vois, un petit message codé, d'accord? Allo? T'inquiète, je te. Allo? Je te tiens au courant pour la radio, s'il y a quoi que ce soit. Ah, ok. Non, on met des masques, comme ça il ne voit pas le mec. Bien sûr. Ah, ouais, on le braque tous les deux. On les braque tous les deux. Comme ça, il va pas se douter. Ouais, on fait. Mais le problème, c'est attends, il faut qu'on ramène un véhicule, non? Bah, t'es venu comment, toi? Moi, j'ai Mireille. Avec ma moto. Bah, c'est bon. Bah, y'a Mireille, et puis c'est tout, ça. Moto.
J'envoie un message à Djibril, je lui dis qu'on va le braquer tous les deux. Il arrive en combien de temps? Aucune idée, je lui ai demandé. Ouais, Djibril, il arrive ou pas? Ouais, il arrive. Il arrive, frère. Ok, vas-y. On a créé en fait une radio, on doit parler à la fois dans le jeu et sur Discord en fait, tu vois. Quand on est en opération, tu vois, ça fait plus stylé. C'est la moto de Hawk. C'est la mienne, ouais. Il m'a dit, je t'envoie ma position, je suis dans un parking à côté. Ah, il fait ça salope ou quoi? Attends, Djibril, tu veux qu'il sache que c'est toi ou pas? Bien sûr, gros. Ok, donc. Qui va le soulever, frère. D'accord, ok. Bah, okay. On reste au parking. Tu sais que tu fais? Tu vas au parking, tu nous la pause et on viendra. Truc, non? Après, il a peut-être prévu d'autres personnes, tu vois. Tout contact en ville, ça c'est sûr, c'est sûr. T'es sûr? Ok. Peut-être que je ferai nier le flic, non? Elle est suspectée de mort. De meurtre. Ok. Parce que les flics, je leur ai dit aussi. Ah oui, je vous ai pas dit ça, je leur ai dit. J'ai dit, ouais, ce mec, il habitait mon pote. Ok. Parce qu'en fait, ils m'ont trahi juste après. Bah, tu sais quoi? Nous, moi et Hawk, on l'attend dans l'appartement. Ok, toi, tu vas le chercher. Vas-y, Hawk. Bon. Attends, j'entends les flics. Y'a un mec en cross qui passe. Il est là. Essaye de le faire monter à l'appart, si possible. Ouais. Y'a là les flics et tout. Il a prévenu les flics, ça vient. Chut. Arrive. Je lui ai dit remonte la pente, il m'a dit je te cherche partout, t'es où alors que ok, bah venez, on commence à lui parler tranquillement pour voir s'il y a les flics ou pas, tu vois. On enlève nos masques et tout, on parle normal. Parce que s'il y a les flics, on est dans la merde. Ok. Ouais. Vas-y, go l'appartement. On s'appelle pas par nos blazes, à part toi, Djibril, d'accord. Ouais, bah ouais. Il est où le mec? Par là à côté, il y a un appart tranquille là. Parce que là, il est arrivé, il y a eu plein de trucs là. Il y a eu plein de nouveaux trucs. Comment ça? Et tu te rappelles le mec qui nous avait offert un verre là? Il est mort, lui, douché là. Ouais. Wesh. Bonjour. Ouais. Quoi? Ouais, ça va. Oula. Ça allait bien? Ouais, ça va. Djibril, c'est lui ton pote là? Ouais. Wesh, mon gars sûr, ça va ou quoi? Ouais, ça va. Ouais, on m'a dit que t'étais un mec sûr. Tape-moi en 5, mon pote. Ouais, je tape 5. Lui, c'est un gars sûr, lui, je le connais depuis longtemps. Lourd. Vous avez fait quoi ensemble? Attends, juste. Carlos. Il t'a appelé Djibril, donc ouais. C'est ok? Ouais, c'est OP, frère. Ah, ok. Du coup, c'est quoi ton nom, toi? Nickel. T'inquiète, ici c'est la famille. Hein. James. James, comment? Ouais, ici t'es tranquille. James Sommier. Ok, moi c'est Francky Herbibi. Enchanté. Ok, enchanté. On est là. Du coup, alors, Djibril, c'est avec lui qu'on va faire du Nerdia ou je sais pas? Enfin, tu voulais faire quoi avec lui concrètement? Ouais, ma gueule, on va t'en faire avec lui, ouais. Parce qu'on a besoin de. On va en faire tout de suite alors. Tu fais quoi, James, en ville? On peut avoir confiance en toi, James? Bah, je sais pas, là, je viens d'arriver expliquer ce que vous voulez faire, hein, parce que moi je connais pas Nerdia. Ah ouais. Mais avant ça, t'es armé, t'as quelque chose ou pas? Parce que nous, il nous faut des mecs armés, tu vois. Non, il a rien. Non, je vais ouvrir nos arrières, quoi, on sait jamais. Sérieux? Tu vois si ça part en couille. Je pense que lui il va ramasser, tu sais, il va ramasser. J'ai une moto. Attends, fais. C'est ça. Tourne-toi vite fait. Je vais palper pour voir s'il y a vraiment pas une arme. Ouais, sacré calibre dans le caleçon. Il y a un sacré calibre dans le caleçon, mon pote. Il est rebondi dans son petit flingue. Ah ouais. T'inquiète, je la dégaine des flics. Une arme blanche. Bien blanche. Ah ouais. Là, c'est arme à feu. Ah ouais, lourd. Bah, voilà, ce que je te propose, ce qu'on peut proposer, c'est on fait un tour et puis on discute parce que 4 mecs dans un appartement, ça fait un peu gangbang, quoi. Ça fait un peu chelou. Vas-y. Ouais, mais attends, j'ai trop d'infos en même temps, là. Explique ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là. Il y a eu deux gangs qui sont arrivés, un black market, un gros truc, ils ont soulevé un mec, ils soulèvent plusieurs mecs. Il y a une prime sur certaines personnes, etc. Du lourd. Putain, ça devient. Il y a une prime. Attends, il y a une prime sur qui? C'est chaud. Il y a une prime sur qui? Sur un mec. Comment? Bah, il sait. C'est DiCaprio. Oh, c'est intéressant ça. Personne n'a trouvé. Ouais, mais du coup, lui, on essaie de le chercher en fait. On va le niquer lui. Fils de. Ok, ah, frère, c'est combien la prime? Attends, il y a combien la clé? On va pas chercher un mec dans toute une ville pour. 50 000 fois ou 50 000 dollars? Ah ouais. 50 000 dollars? 50 000, je cherche. 50 000 dollars, je cherche. Oh là, je chercherais même dans les chiottes et tout. Tu vois là, ce sac du poubelle, je l'ouvre, voilà, je mets ma tête dedans, calme. Prends l'avant-tousse. Ah, avant tout, c'est pour les toilettes. Jamais elle va être utile. Du coup, James, t'as déjà fait du Nerdia ou pas? Tu connais les points de vent, tu connais quoi? Quoi du Nerdia? Du Nerdia? C'est de la weed, quoi. Ouais, c'est de la weed, frère. La weed, bah demande à Djibril, oui, on en a fait. Ouais, on en a fait ensemble. Ouais, mais vas-y, Djibril, vous avez fait quoi ensemble du coup? Vous avez juste fait du Nerdia, ça? Non, juste. Juste ça. Après, on a cherché un dealer, on a soulevé un mec, et voilà. Oui, go faire du nana, moi je propose alors. Bah, de ouf. Ça, on fait ça ensemble et on voit comment ça se passe, d'accord? De ouf. Ouais. T'es chaud ou pas, James? Ouais, je suis chaud. Ah, ok, je me suis fait licencier, il y a un mois, j'ai plus d'emploi. Ah ouais? On va faire ça au calme. C'est pas qu'on va le soulever, Mskin. Eric, tu vas monter avec le. Djibril, tu leur fais confiance. T'es sûr? Je peux te faire confiance sur ce coup-là. Ouais, mais frère, regarde, je suis derrière toi. J'assume. Je suis derrière. Je surveille tes arrières. Je surveille tes arrières. Oh là, de ouf. T'es moi, je te suis, regarde la trace. Je suis derrière tes fesses, t'as vu? Je suis derrière tes fesses, au calme. On va tous ensemble alors. Tu surveilles pas mon arrière. Vas-y, ouais. Vas-y, Djibril, tu nous suis. Bon, on aura besoin de ton coffre, Djibril, comme d'hab. Attends. Ouais, comme d'hab. Comme ça, on fait ça vite. Non, laisse-la là, tranquille.
Vas-y, on te suit, Djibril. Je vous suis. Bah moi je vais plus vite que toi, donc autant que je te suive, tu vois, faut pas aller trop vite. Je suis, hein. Ouais, vas-y, ouais. T'es pas, suis-moi. Go bateau. Go bateau. Ouais, ouais, t'inquiète, on va juste sortir de la ville. Ouais. T'as quoi, on va aller chercher bien un bateau et on lui envoie la position. Envoie lui un message, ouais. Dis-lui, on t'envoie la position dès qu'on trouve un bateau, vas-y, d'accord vas-y. Moi je vais aller vers le bateau. Alors, rappelle-moi, ce mec il a fait quoi encore? Ce mec il faisait partie d'un gang qui a soulevé un pote à Djibril. Ils l'ont tué. Ils ont tué un pote à Djibril et ce ah, mec. Il est décédé le mec? Ah oui, il est mort. Hein. Ah ouais, ok. Et okay. Du coup, Djibril il veut se venger. Il veut se venger de la mort de son pote, tu vois. Je lui dis par message, hein, dès qu'on trouve un bateau. Ok. S'il te plaît, j'ai pas envie de mourir. Voilà, j'ai pas envie de mourir, regarde. Non, t'inquiète. Moi, je dis toujours, quand je suis en mode OP et tout ça, je suis en mode sérieux, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand on est en mode. D'accord. Et quand on est en mode chill et tout, tu vois, c'est là que je fais pas très attention, tu vois. D'accord, ok. Là, il suffit juste de demander des sérieux, t'inquiète. Tu sais où est-ce qu'on peut trouver un bateau tranquille? Tout au nord de la ville, tu sais, Ouais, je sais. C'est pour ça qu'on va aller voir l'autoroute. Tu vois l'autoroute ici, celle qui est à l'ouest, elle est plus moins fréquentée, on va dire, que celle à l'est. Parce que celle à l'est, les gens ils utilisent pour aller à Sandy, Sor, tout ça, tu vois. D'accord, ouais. Là, au moins, on est tranquille, tu vois. Maintenant, juste regarde, on longe la mer, dès que tu vois un bateau, on chope le bateau. Mais il y a un coin encore plus tranquille, hein. C'est tout au nord, tu te rappelles le point de traitement là, à côté du Comico au nord. Tu sais, il y a une sorte de grand lac, enfin, c'est la mer, tu vois. Et là, il y a les bateaux, c'est une zone perdue, frère. Personne pourra le retrouver. Mais après, je sais pas, tu vois, s'il y a les Hammam. Ils sont où les Hammam? Ah, ils sont à la mer. Ils sont plus vers. Je connais un endroit où on a des chances de rencontrer. Ok. Attends, je suis en train de réfléchir. Lui, il faudra qu'il crache le morceau. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr. Après, s'il crache le morceau, on va voir ce qu'on peut faire. Après, c'est à Djibril de le faire parler parce que nous, on connaît pas toute l'histoire, tu vois. C'est ça. Comme ça, c'est. Tu vois, moi, j'ai pas envie de. Je lui mettrai pas si on sait. Si on sait même pas rien de lui, tu vois. Il faut vraiment qu'il. C'est dit, en fait, on va laisser Djibril gérer ça, quoi. Ouais, bien sûr. Et en même temps, on va voir comment il gère cet OP. Ah, le mec, aucun confiance, allez, on va ensemble. Il m'a pas envoyé de message, Djibril. Attends, je l'appelle. Je vais juste dire s'il a bien reçu mon message. Ouais. Parce qu'il m'a pas dit oui ni non, tu vois, genre. Attends, je peux le voir à la radio si tu veux. Non, c'est bon. Bah non, parce qu'il sera au but. Okay. Ouais, c'est pas grave. Ouais, Djibril. Ouais, t'as reçu mon message ou pas? Ouais, j'attends de voir s'il y a les flics ou pas en vie, tu vois. D'accord, ok. Non, mais juste parce que tu m'as pas répondu, je dis ouais, je suis là. En train de conduire, désolé. Ah, ok, tranquille. Vas-y. Vois avec lui s'il a pas prévenu les flics, hein. C'est important. Ouais, au calme. Vas-y. Je te tiens au courant pour la position, ok? T'inquiète, mais nous... c'est pas qui me tient au courant. Ouais. Oui, je te tiens au courant. On se dirige vers le nord de la ville, donc si tu veux, commence à te diriger vers le nord, tu vois. Au moins, tu gagnes un petit peu de temps, quoi. Dis au calme, ouais. Et à la boussard. Au calme. Après, tu vois, si le mec il nous demande pourquoi on prend un bateau, on dit c'est simple, c'est pour pas prendre les routes, pour éviter de se faire remarquer, bah ouais, tu ouf. Vois. On se rend sur les points avec le bateau, tu vois. De ouf. Ça passera crème. Bon. Comment tu vas regarder ici s'il y a des bateaux, d'accord? Là, il y en a tout le temps, il y a tout le temps des bateaux là. Ouais, c'est vrai, il loupe plus les bateaux ici ou quoi? Écoute, j'en vois pas pour l'instant. Ah, attends. Ah, non, pas c'est. Suspense pour rien. C'est une épave ça. Peut-être là-bas, là, à gauche, ouais. Wesh, une blague ou. Ah, il y en a. Ah, il y en a. J'ai vu. Ouais, je l'envoie la position. Attends, non. On prend le bateau et on va avancer comme ça, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent arriver parce qu'il y a traitement à côté ici, tu vois. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, on fait ça proprement. C'est ta moto ça? Ouais, nique sa mère. Allez, attends, regarde. Voilà, va dans l'eau, va nager. Attends, tu veux que je la brûle ou pas? Oh, c'est pas nécessaire, je pense pas. Hein. J'aime bien brûler, moi. Attends. Regarde comme par hasard, il y a d'autres bateaux maintenant, t'as vu? Ah ouais, ils viennent de revenir de la location, quoi. La croisière s'amuse! Bienvenue à bord! Allez, c'est parti! Allez, montez. Je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Voilà! Je suis en train de lui, voilà! On voyage pas, nous? On n'a pas l'air marin, nous? Putain! Arrête, j'aime pas trop les bateaux, moi. Voilà, ça me rappelle quand je suis venu sur le continent, frère. Vous avez pris l'avion. Moi, j'ai pris le bateau, voilà, comme un clandestin, ok. Moi, je suis venu en baignoire. Ah ouais. En baignoire? En baignoire, wesh. What the fuck? Ah, t'es venu comment, James, ici, toi? Tu me l'avais déjà dit. T'es venu comment, James, toi, ici? Avion, Eh, ça bouge un peu trop. Ça bouge un peu trop, là. Normal, il y a des vagues. Tranquille, c'est Disney gratuit. Voilà, au calme. Aïe. Comment ça carbure, hein? Ah, je te jure, hein. Je dirais pas, mais. Allez, sous le pont d'Avignon. Bon, bateau, hein. James, tu connais qui en ville? Ah là actuellement en ville, je connais que Djibril, je connais des autres mecs, mais ils ont changé de ville. Ah ouais? Ils faisaient quoi les autres mecs là? Bah ils étaient avec nous. D'accord, ouais, ils faisaient des nerds. Wouah! Pétard! Mais préviens, espèce de fou, va! Oh, il veut nous tuer! Mais il est malade! Mais il est malade! Quand tu vois une cascade, tu la prends! Je vais vous faire une surprise! Voilà, Gustavo, c'est un ouf dans sa tête! Arrête, Gustavo, arrête! Bon, je vais être honnête avec vous, j'avais pas vu! Wow, Dodan! T'inquiète, j'ai fait les Jeux Olympiques du bateau, t'inquiète! Ouais. Bah, on est pas en Colombie ici, hein! Ah merde! Ah, Attention! Eh, Francky! Putain, ma tête! Francky! Ouais! Oh, Francky! Ouais! On a croisé trois mecs là-bas tout à l'heure! Trois mecs? Un mec, il avait une Mireille en grise. Ouais.
un imitateur et un mec avec une moto comme celle de Hawk là que t'avais hier toi. Ah pas... ouais, ouais ouais. Et il faisait quoi? Ils étaient trois, ils étaient en train de se taper sur la gueule. Ils... Ah bah laissez, oh, c'est des cassos ça. Et apparemment il y en a un qui a sorti une carabine bizarre aussi. Une carabine? Ah bah mon vieux. Ouais, d'après ce qu'il m'a dit James. D'accord. Mais tu l'as vu aussi, ou je suis fou? Ah moi j'ai pas vu. Why 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 why, il y a beaucoup de vagues. Why why why, wouh. Putain, et ça tangue hein. Voilà, ça tangue trop. Je suis mouillé putain. Eh hey, James, t'as pas le mal de mer? Non t'inquiète, ça me rappelle le parc Astérix. Ah ouais pouf. Ah bah voilà, tu vas bien t'amuser hein. Putain. Oh là là là. Ça tangue. Là on va où en fait? Là, on, en fait on essaye d'éviter les routes, comme parce qu'il y a, y a beaucoup de flics et il y a beaucoup d'hélicoptères en ville. Donc on passe par la mer, tu vois. Ah ok, par contre. Ça, ça c'est repérage 2.0, t'inquiète même pas, Bibi. Après t'inquiète, j'ai un contact, là je suis en train de juste tourner en mer. J'attends juste qu'il me dit où exactement on doit se rendre, parce que tu sais bien, les points sont souvent, tu vois. Oui, je connais, je connais. Donc dès qu'il me dit, oui, où est la dauphin? T'as vu? Sérieux? Non, je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Il était juste là. Non, voilà, je l'ai pas vu. Putain! Je l'ai raté! Attends, on va trouver. Attends, je sors mon téléphone. Voilà, je prends une photo direct. J'ai vu un requin, frère. Quoi? J'ai vu un requin, frère. Mais casse-toi, ouais, j'ai rien du tout ici. Attends, tu sais quoi? Je te montre. Attends, sortez vos téléphones, sortez vos téléphones. T'inquiète, t'inquiète. Sortez vos téléphones, on prend des photos. Ah bah, tu sais quoi? En attendant, je vais te montrer, tu vas voir. Snap, 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 snap. Voilà, snap direct. Ouais, on est là. Ouais. Zéro James. On est là. Alias Jam. Jam. Avec Gustavo aussi et Francky Vincent. Ouais, allez, balance pas les blazes, balance pas les blazes, wesh. Voilà, après les requins, ils vont nous retrouver et tout, les dauphins, laisse tomber, les gangs. Ah ouais, Garda avec tout. Waouh. 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 Wow. Mais je suis mouillé, putain. Putain, je suis mouillé. Ah, bah, arrête, la mer arrête. Tu fais chier, Gustavo. Oh là là, arrête. Arrête, Gustavo. Ouais, je vais vomir, voilà, je vais mourir. Mais tu sais que je vais mourir. Attends, attends. Wesh, il va nous noyer. J'ai failli balancer le blaze. C'est bon. Ouais bah là oui, là c'est mieux là. Ah, doucement, doucement. Je vais aller mollo. Bah vas-y mollo. Vas-y mollo, mollo. Eh voilà, eh, on a pas vu de requin, voilà tu te fous de la gueule du monde toi. Y'a où aller frère? Non t'inquiète, t'inquiète, on va le trouver. Déjà si tu veux le trouver, on peut prendre ce bateau là, il va beaucoup plus ah, vite. Ah mais tu cherches le requin? Ouais. Ah le requin il est pas du tout ici. Ah je te attends, parce que j'ai déjà vu des requins ici, je te jure. T'étais dans ce bateau là. Vas-y ouais, je suis mon téléphone pour rien quoi. Putain, on va encore se mouiller. Ah, wow. Ouais, j'ai plongé sur le bateau. Oh, ça va. Voilà, ça va pas, croyant. Frère, j'ai plongé. J'ai plongé sur le bateau, wesh. Je l'ai mis 10 ou. Voilà, putain. Ouais, asseyez-vous. Y'a pas de siège, y'a pas de siège. Ah. Oh, c'est du coup. Y'a pas de celle-là. Voilà, on reste debout, c'est pas grave. Ah, c'est... Oh, bah, on va se prendre, on va reprendre l'autre alors. Allez, c'est parti. On va s'éclater le front encore. Ah. Oh là putain. Hop là, je suis à côté de mon petit Gustavo Alvarez. Moi, je suis à côté de mon nouveau pote. Allez. James, oh calme. James, oh calme. Mais c'est sûr, les autres fois, ils avaient vu ici tout près. Mais du coup, ils sont où alors? Ils sont Djibril. De quoi? Mais le requin? Les requins, vous... bah. Ah, je vous promets qu'il n'y a pas de requin. Hein. Frère, c'est dit, ils avaient vu un requin, c'était un requin blanc même. Et, tu vois, j'avais mis mon petit doigt juste pour voir s'il allait venir, il a essayé de me bouffer, tu vois. Eh, hey, quoi? Gustavo, je t'avais pas vu au parking tout à l'heure. Gustavo? Non. Ah, peut-être, hein. Quelqu'un, il s'est pointé avec la même gueule, il m'a dit, merde, je me suis trompé de personne. Bah, ouais. Je sais pas, frère, peut-être. Il était. Il ah, j'en vois, j'en vois, à gauche. J'en ai vu un à gauche. Fais demi-tour. Attends, je sors mon téléphone. C'est un bateau, frère. Mais frère, y'a pas un bateau, j'ai vu un aileron de requin, frère. Vas-y, arrête-toi ici. Je te jure. Je l'ai vu aussi. Voilà, attends. Je l'ai vu aussi. Ah, on est d'accord, hein. Il était derrière nous. Il était là. À droite. Il est là, à droite. Il est là. Ça c'est un orc, c'est pas un requin, ça. Frère, c'est pareil, c'est un aileron. Regarde, sauvez Willy. Tranquille, plonge, va vérifier. Ouah, je plonge pas, moi, t'es malade, toi, ou quoi? Eh, ça bouffe les yeux, mec. Voilà, y'en a un tout droit, à gauche. Eh, toi, tu. Arrête. Ah, il a sauté. On a perdu quelqu'un. Wesh. Mais non. Il a sauté. Il est où? Je sais pas, il a sauté. Allah, il va décéder. Il s'est fait avaler. Ouais, il est là, devant. En face. Ah, j'ai. En face, vite, il va se noyer, il y a trop de. Ouais. Mais il passe du bateau. T'as fait quoi, toi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quoi? Waouh, arrête, tu m'as tué, arrête. Wesh, James, c'est passé quoi? Je sais pas, la barre du bateau, elle m'a tapé, je suis tombé. Mais je crois pas qu'il est agressif, on peut aller le voir. Tu crois qu'il est pas agressif, hein? Vas-y, tu vas voir ça. Dis-lui ça en face à face, tu vas voir qu'il est pas agressif. Je suis passé à côté de lui, il m'a rien fait. Ah ouais. Il a eu pitié de toi, frère, tu t'es pris la tête, c'est normal. Bon, vas-y, va au large, Gustavo, va au large. On va voir, hein. T'es tiré de requin proche par là. T'es trop proche, frère. T'as cru il faisait 4 cm ou quoi, le requin, wesh? C'est pas assez profond ici. J'essaie d'avoir un visu sur tout, tu vois. Mais ils aiment bien les rochers, trucs comme ça. Va dire les rochers là-bas, là. Ils y mettent rien à côté. Ouais. Ouais. Waouh.
Faites attention, hein, parce que vous avez entendu l'histoire du Kraken. Ouais. Kraken? Non, vas-y, explique. À ce qui paraît, des fois ici, tu peux rencontrer le Kraken, et si tu rencontres, c'est fini, frère. Rip. Ah ouais? Ouais. Ton chemin, c'est comme le triangle des Bermudes, tu vois. Oh putain, la vague! Why? Vérifie. Why? Ouh, why la vague? Ouh. Va à gauche, je reviens vers la terre là. Ah, c'est pas trop loin. Regardez s'il y a des ailerons qui traînent, d'accord? Ah, voilà, nique sa mère et les requins, c'est bon. Et il va faire nuit, frère, voilà, ma femme elle m'attend et tout. Ah ouais? Bah ouais, frère, attends, elle m'a envoyé un message et tout, elle m'a dit ouais, j'étais où et tout, tranquille. Pareil. T'es sûr? Ouais! Ah, meuf en plus, c'est Dana là. Ah ouais? Dana. Ah bah voilà, là on est bien là. Un peu d'air là parce que ça peut. Attends, moi je bois un peu. Ah là, tu conduis là, mon pote. Hein. Attends, tu bois en conduisant, eh, c'est soit ouais, l'un, soit l'autre. Hein. Je bois de l'eau, t'inquiète pas. Bon, James. Ouais, c'est moi, je vois pas de requin. Vous voyez des requins là? Vous voulez vraiment trouver un requin? Non, c'est mort, y'en a pas. Il est mort, ouais, là, ouais, tu m'as sorti. Frère, je regarde, ce soir, bon, y'en a James. Pas de sortie. Ouais. Bouge pas. Wow. Recule un peu. Mets-toi au milieu du bateau. Tu te rappelles ce que t'as fait à Selim? Ouais. Selim, c'était mon poteau sûr. Comme je me rappelle. Quoi? Selim, c'était mon poteau sûr. Tu te rappelles ce que tu m'as forcé à faire? Ce que je t'ai forcé à faire, on t'a pas forcé à le faire. Arrête, c'est pas toi qui l'a fait. Pas fait, vous m'aurez tué. C'est pas toi qui l'a fait. J'aurais fait, vous m'aurez tué. J'étais pas pour ce plan. C'est pour ça que je suis parti au pays t'étais aussi. Pour, t'étais pour, y penser. Pour. Tu lui as même dit de venir. Je l'avais braqué. Ensuite, vous l'avez dit. Ah oui, parce que c'était notre objectif là. S'il me racontait l'histoire, je l'avais dit de ne pas me raconter l'histoire. S'il me racontait l'histoire, il me l'a raconté, vous tuez. Il me l'a raconté, vous êtes venu, vous l'avez soulevé. Et tu m'as forcé à assister à cette chaîne. Vas-y, je t'ai pas forcé. Bon, maintenant tu vas me dire ils sont où les autres. Les autres, je te l'ai déjà dit, les autres. Je sais pas, j'ai essayé de les contacter, ils sont restés dans l'autre ville. Arrête de mentir. Je te promets. Sinon je les aurais déjà appelés, on aurait fait quelque chose en groupe. Réfléchis. T'es encore dans la radio? Tu veux, je prends mon téléphone, je les appelle. Non, j'ai plus la radio. Donne-moi le nom non, de non, Jack. Non, je suis plus dans la radio. Le nom de famille de Jack. Jack, faudra que je vérifie sur mon téléphone. Je veux son nom de famille, donne-moi son nom de famille. Desmer. Jack Desmer. Jack comment? Mesmer. Desmer. D-E-S-M-E-R. Ok. Gustavo. Ouais. Tu peux l'écrire dans la radio Bah dis Jack comment? Jack Desner. Voilà, hey James, moi je t'aimais bien hein. D-E-S-N-E-R. Faites pas de conneries. Ah non, moi je veux rien faire du Djibril. Tout. Moi je fais jamais de conneries. Je te faisais confiance. Frère, tu faisais confiance. Toi Djibril, frère. Ah ouais, là, à partir James. De là, y'a plus d'amitié, y'a plus rien. Mais pour Selim, j'ai été forcé. Déjà, mets-le. C'était les plans, tu voulais qu'on décolle ou pas? T'as pas été. C'était les plans, tu voulais qu'on décolle ou pas? Passe-moi ton téléphone. J'avais même pas d'arme. Ok. Passe-moi ton téléphone. Père, t'as pas envoyé de message au keuf. Tiens, prends ton téléphone, montre-moi des messages que t'as envoyé. Regarde, le dernier message c'est toi, je t'ai envoyé mes coordonnées. Ok. Vas-y, passe-moi ton téléphone. Tiens, Frankie. Ouais. Vends-le sur le bon coin. Oh, lourd. Putain, iPhone XS Max, ça se miable, la frite. T'as vu ça? Ah ouais, gros. Bon, maintenant, moi, je vais pas parler chinois avec toi. Je vais pas te laisser en vie. Je vais pas te laisser partir. Fais pas de conneries. Réfléchis. Laisse-moi parler. Pourquoi tu veux me tuer? Ferme ta gueule, laisse-moi parler. Je te dis juste que si les autres se pointent en ville, ils sont morts. Je les retrouverai, je les tuerai. Et bien sûr, ça t'es pas au courant. Vas-y, maintenant tu vas aller au bout du bateau. Francky, tu voulais pas tester un truc? Ouais, mais là il est pas au bout. Va, fais comme Titanic. Fais comme le Titanic. Au bout. Titanic. Voilà. Chante Titanic, chante. Attends, réfléchis. Réfléchis. Passe-moi ton argent. Attends, on va avancer un peu là parce qu'on se rapproche. Ouais, Gustavo, avance un petit peu. Ouais. Tout ce que t'as sur toi, je parle d'argent, je parle de tout ce que t'as. Envoie. T'as tué Céline en mer et moi je vais te buter en mer aussi. Elle est énervée. Je vais le rejoindre. Edo, t'as pas de sandwich, t'as rien? Moi je veux des sous. Eh, laisse-lui les bouteilles d'eau, hein. Il fait chaud en enfer. Laisse-lui les bouteilles d'eau. Pas grave, voilà, il va bien s'hydrater là-bas. Pourquoi ils ont dû assassiner le mec Tiens, je t'ai tout donné. Tu l'as parlé? Parce qu'il a parlé, il m'a parlé à moi en fait. En fait, celui-là qui Djibril, on l'a buté parce qu'il nous avait balance. C'était un test de fidélité. Dépêche-toi là, tourne-toi. Il avait rien à voir dans nos histoires. Chante-nous Titanic et ferme ta gueule là. Il savait tout. Chante Titanic. Il avait rien à voir dans nos histoires. Chante Titanic. De ce qu'on faisait. J'ai jamais vu Titanic. Je m'en bats le cou, chante Titanic, dépêche-toi là. Tu chantes pas? Tu veux pas chanter? Je connais pas Titanic, je t'ai dit. Chante la musique que tu veux, mets-toi sur le bord là. Vas-y, remonte. On veut t'entendre chanter, mon pote. Un petit son. Mets-toi au bord, dis-moi quelque chose, je connais pas de musique. Mets-toi encore au bord, mets-toi. Je connais pas de musique. Mets-toi le plus au bord, mets-toi le plus au bord. Au bout. Encore, monte la dernière marche. Voilà. Chante-nous du Joule. Je veux du Joule. Wesh alors. Tu veux quoi du Joule? On m'appelle l'avenir. Je le mets en tête. On m'appelle l'avenir. On m'appelle l'avenir. Il est pas mort, les frères, dès qu'il remonte, on le charcute. Ouais, je crois que là. Attends. Attends, je veux voir son corps. Il est là. Il est là.
Attends, bouge pas, tu remontes pas avant. Non, non, il remonte pas avant. Déterminé comme DiCaprio, on sent la mort, il est scaprié. C'est à mettre la coque dans sa blie. Mon tableau, si t'as pas habillé. DiCaprio, 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 DiCaprio. Déterminé comme DiCaprio, on sent la mort, il est scaprié. C'est à mettre la coque dans sa blie. Mon tableau, si t'as pas habillé. Voilà, j'ai plus de balles. Vas-y, 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 voici, voici. Ah là, j'ai vérifié. Les poissons. Il va servir les poissons. J'aime pas les gens qui chantent du Joule. Ça m'énerve. Je pète un câble, je te jure. Voilà, je pète un câble. Je t'avais dit hawk, hein, pour les requins à cette heure-ci, ils sont pas OP, hein. Ouais. Ah, ils sont pas chauds. Mais ça, c'est les requins, c'est des fils de pute, hein. Ah, ouais, quand ouais. T'as besoin d'eux, ils sont pas là. Quand tu veux les éviter, ils sont là pour te grailler. C'est ouf. Bon, écoute, on appelle le doc. Est-ce qu'il est là? Bah, attends, je vais l'appeler. Attends, laisse, je vais appeler, je vais prendre sa voix. Vas-y, vas-y. Eh, hey, tu vas où là? Reviens. T'inquiète. Ouais, ouais, tu vas pas au bon endroit. Là. Voilà, Fort Boyer, le mec. Ça sonne. Ah, bah il est en ville. Genre là, il est en ville. Y'a personne qui répond, sa mère. Ah. Ouais. Tranquille, frère, tranquille. Ouais, t'es sérieux, toi? C'est un cauchemar. J'ai pas fait exprès. Oh là, c'est un cauchemar au volant. Oh là, il faut un camping au calme et tout. C'est moi, il faut un camping au calme. Attends, elle est pas mal, elle. T'as une meuf déjà. Ouais, Jennifer, ça va ou quoi, Laurie? Ah! Bah alors, t'as le feu au cul ou quoi, mon pote? T'es mal au courant avec son téléphone. Wesh. Chou. Y'a pas de médecin en ville, hein, frère. Non, y'a pas de médecin. J'ai harcelé, y'a personne qui répond, frère. Bah faites attention alors, faut pas qu'on tombe dans le coma. Moi je propose de faire du nana alors, hein. Ça fait longtemps, les gars. Nana, vas-y. Et comme j'ai dit, j'ai mon véhicule pour le ranger. Donc on en fait 100, on range dans mon coffre. Et après j'ai déposé Riles, d'accord? Vas-y, tu veux pas qu'on capte Riles là? Ouais. Je l'ai appelé, mais il répond pas aussi. Et j'ai vu un de ses employés, il m'a dit qu'il est en vacances. Donc le truc c'est qu'on peut juste stocker dans le coffre pour lui donner par la suite, tu vois. Vas-y. Attends, je vais essayer de l'appeler une dernière fois. Vas-y, bah. Et y'a combien de flics aujourd'hui en ville? J'en ai croisé 2-3. Le gars il m'a dit il a vu 3 patrouilles. Ok. Moi j'ai pas de nouvelles de Pinto ni rien. Parce qu'à la base, ce qui était cool c'est de choper peut-être un flic et avoir des informations sur le black market, tu vois. Mais on fera ça plus tard, je pense. Je pense. Ouais. Bah, ce serait cool en fait d'avoir des informations supplémentaires sur ça, tu vois. Après, les gars, moi j'avais un truc à vous proposer. Vas-y. Tu sais que là, les flics ils m'ont dit hier qu'ils étaient en code noir ou code rouge, pas quoi. Ouais. C'est parce que justement, chaque jour des gens se font soulever, chaque jour des gens se kidnappent. Donc on laisse des flics, tu vois. Ouais, on laisse Il faudrait qu'on se fasse discret, tu vois, pour qu'ils enlèvent ce code. Parce qu'ils font des contrôles par à tout va, tu vois ce que je veux dire? Par contre, on a pris les nets, frère. On est pas au ski. Hein. Oh là, c'est trop. Ouais. Non, c'est trop. Oh là, t'es pas crédible. Je les ai trouvés pour la mer, frère, pour plonger. Ah ouais, non. Voilà. Vas-y, ok, bah go, nana alors. Par contre, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre un véhicule volé, ils vont avoir l'alerte. Donc, faites. Eh, il t'a passé de l'argent, le mec, ou pas là? Tu te parles, putain, au lieu de t'envoyer des messages à ta meuf. Il m'a passé, mais j'étais en train d'écrire le contact du mec que je t'ai vu. Là. Ah ouais, t'as passé quoi là? Moi, je te dis les potes avant les meufs, hein. On est d'accord, hein. Combien t'as passé? Quoi? 200 balles. Wesh, va, divise par 3, ça fait. Ouais, vas-y, donne. 65. Ça fait $65. 65. Là, vous abusez. Ouais, donne $65. Eh, frère, moi, je dois remplacer mes piles. Et les piles du Tazer, c'est qui va les payer, frère? Mais allez, je dirais, ça dure longtemps, c'est pas grave. Putain, non, c'est pas du Duracell, frère. Oh là, c'est pas du Duracell. Tiens, ça c'est cadeau. Wesh, il m'a donné un poisson fumé. Ouais, faudrait. Wesh, t'es sérieux, toi? Et le mec anonyme, il a toujours pas de nouvelles là sur les réseaux? Je vérifie. Quel mec anonyme? Le mec qui était masqué là quand on était avec toi, Djibril. Ah oui, pour truc, ouais. Lequel? Bah pour El Chapo là. Je sais pas si c'est le Chapo. Ah, mais en parlant d'El Chapo, frère, il faut aussi le trouver lui, hein. T'es sérieux? Faut vraiment le rechercher. Ouais, bah parce que frère, le El Chapo, je sais pas, on l'a toujours pas trouvé. Justement, moi je pensais y aller avec. Je pensais d'abord récolter des infos chez le doc. Mais ouais, mais c'est le truc. Attends, travailler avec lui, soi-disant. Attends, je vais appeler le doc là. Vu que je veux dire que je vais l'appeler parce que. Ouais, chez les flics. Ouais, une sirène. À la tonalité enregistrée. Ah, vas-y. Pas de médecin ou quoi aujourd'hui là? Bon, venez les gars, on bouge d'ici. Ouais, vous voulez qu'on. Un véhicule déjà pour faire du nana. Vous voulez qu'on crame le bateau ou pas? Vas-y, ouais. Parce qu'il y a cette trace et tout. Attends, là, faudra que tu passes à l'armurerie aussi. Attends, t'as de l'essence ou pas toi? Frère, tu. T'as de l'essence? Ouais, j'ai de l'essence normalement. Vas-y, moi, je vais dire un truc. Si tu sais pas mettre l'essence sur le bateau, c'est mort parce qu'on sait pas le déplacer. T'inquiète. Brûle! Et préparez les feux d'artifice. Bateau brûle! Eh, bougez! Faut qu'on bouge la scène. Wesh, il est. Voilà! C'est beau là! Là, on est bien! Voilà, ça m'a fait bander! Ça me fait bander ces trucs là!
Arrête, tu vas t'enflammer comme moi, arrête. Oh ouais, là, c'est un là, truc de ouf. Par contre, on va courir 1000 km là, je sens. Ah, oh, ouais, y'a la route ici. Voiture volée, ça se tente ou pas là? Bah ouais, mais voiture 4 places alors. Non, parce que du coup, vous êtes parti en prison à cause de ça quoi hier, hein, je sais pas, juste un petit rappel quoi. Ouais, attends, Jibril, t'as combien d'amendes encore à payer? Ça y est, c'est bon, classe. Ils m'ont 17 000 $ pour la prison et au final, c'était 9 000. Waouh! Les 2000. Waouh! Toi, t'es grands-parents, tout le monde va payer en fait chez toi. Hein. Tes petits-enfants, tout. Ah, hein. C'est bon, ça y est, j'ai plus rien à payer là. Attendez, il faut une 4 places. Là, il y a une 4 places là. Ouais, 4 places. Là. Moi, je conduis pas. Attends, c'est qui le mec? Oui. Ça va. Bonsoir! Pardon? Oui! Vous allez bien? Fais gaffe, il y a les flics derrière. Ah ouais? Pardon? Ah, merci. Ouais, je vais vous dire votre nom et tout. C'est Marcus. Marcus! Toi et moi, on est les meilleurs potes! Allez, roule, Marcus! Ah, je rigole. Marcus, laisse-moi monter sur le guidon. Attends, hey, Marcus, tu faisais quoi la petite dernière? Non, bah, 3. Ah, dis la vérité, tu fais des dernières? Ouais. Non, mais tranquille, hein, on est entre nous. J'avais tenté, mais bon, y'a un hélico qui nous suivait. Ah, okay. Faites gaffe, sur la colline là-bas, y'a un hélico. Ok, vous êtes combien là? Au calme. Bah, on était 3, il y en a un qui a été embarqué, le deuxième ils sont embarqués. Ah, mais je vous ai dit. Merde, ils sont fait griller? Mirai 2.0 en gris là. Non, mais il y en a un, il a même parlé au capitaine, du coup ils sont embarqués, et l'autre, je sais pas pourquoi ils sont embarqués. Ok, bah fais gaffe, hein, toi, si t'as des trucs sur toi, fais gaffe, hein. Non, j'ai rien. Vas-y, ça on marche. On cherche le point et on trouvait pas. Vas-y, tranquille. Bah, au pire, attends, vous vas-y. Vous connaissez tous les ponts, vous? Ouais, vas-y, Marcus, donne ton numéro. Vas-y, attends, je t'aide. Vas-y, je note. Vas-y, nickel, c'est noté, je t'enverrai. C'est Marcus. Marcus. T'es armé, t'as quelque chose ou pas? Pour faire du truc ensemble? Non, il faut que je passe mon pépin. Ah ouais, t'as pas encore passé ton pépin. Faut que je fasse la visite. Ok. Calme, y'en avait un visiteur, je suis aussi. Je suis arrivé vendredi en ville. D'accord. J'ai pas eu le temps de faire. Attends, y'a pas. C'est pas un gyrophare là-bas, là, derrière? Si, y'a les flics qui. Ah ouais, les flics ils sont juste là. Les flics ils sont juste là. Ouais. Ok, ouais, ils arrivent là. Y'a des hélicos. Ok. Ah ouais. Eh bah mon vieux. Genre là-bas là il y a l'hélico. Ouais je vois. L'hélico en gros il nous a chopé, il a pris une pote en... Ah ouais j'ai vu, il y avait des mecs derrière la voiture qui sont derrière. Ouais. Ah ouais. Bah putain. Ah ouais l'hélicoptère il est là. Putain ils sont juste là. Ouais. On s'est fait traquer par l'hélico. Ah ouais. Attends mais il y a eu un hélico je rêve là. Ouais il y a deux voitures de police et un hélicoptère juste là frère. Derrière toi. Ils étaient juste là. Maintenant ils rigolent pas les filles. Wesh la police ça va quoi les mecs? Wouh! Eh, lâchez un tour! il a dit. Putain. Eh! Non, franchement, c'est abusé, c'est fou. Voilà, psartéka, Marcus. En tout cas, merci de nous avoir prévenus. Hein. Vas-y, y'a pas de soucis. Attends, mais excuse-moi, ouais, Marcus. Juste le truc, Marcus, c'est. Tu vois, ouais. tu taffes avec deux mecs là, ça? Ouais. Ils s'appellent comment? Y'en a un, c'est Doumé. Et l'autre, c'est Pablito. Pablito? Pablito, c'était un mec qui travaille. Ouais, Pablito Tinico. C'est le gars sûr. C'est des mecs qui travaillent dans mon entreprise. Non, mais. Non, mais ce que je veux dire, Marcus, c'est que t'as vu. Ces deux mecs-là, t'as vu, ils sont fait embarquer, c'est pas des gars sûrs. Hein. Si tu veux, tu peux rejoindre notre bande. Hein. Nous, on est des gars sûrs. Ouais, bah, comme vous voulez. Hein. Bah, après, s'il y a besoin du PayPal, il faut que je le passe, quoi. Bah, après, si tu veux rentrer, tu vois, faut te faire passer un test, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais. Bah, comme vous voulez. Ouais, mais frère, c'est prépare-toi parce que c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? On va te laisser, tu sais quoi? Des tests comment? Tu sais quoi, Marcus, on peut te laisser quelques jours, tu vois, mais nous on fait du sale en vérité. Hein. J'ai envie de savoir qu'est-ce que tu serais prêt à faire justement pour prouver que t'es un gars sûr. Bah, pour voir si ça correspond au test. Faire pour prouver? Et donc, donne-moi un exemple. Défausser des mecs. Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée ça. C'est un bon début, mais après, si tu voulais pousser le truc plus loin. Vas-y, t'es à la police. Pardon? Vas-y, t'es au flic. Je suis pas comme ça moi. Moi, si y a un flic qui vient et il me demande de m'arrêter, moi je m'arrête. Hein. Bon, mais... Ah, toi t'es un fou. Hein. Non, mais moi il me plaît bien non, moi. Mais... Si. Moi il me si, plaît si, bien. Putain, t'as des grosses couilles si toi. Je hein. Fais... Si on se fait choper, genre en train de faire des récoltes et tout. Ouais, je vois. Ouais. Je sais, on va pas frère. Tu vas pas t'arrêter comme ça. Vas-y, hé. Mise en situation. Je suis un flic, tu vas faire quoi? Bouge pas. Imaginons. Bouge pas. J'ai pas d'armes. Bouge pas. Ouais. Bouge pas. Arrête, il va chier dessus. Ça va, Marcus. Non, mais c'est juste une mise en situation, c'est juste pour savoir en fait. Ah ouais, non, mais. Tu vois? Ça va sur le pantalon. Tu vois, avec le stress et tout, tu vois, ça fait flipper. Hein. C'est facile de dire, ouais, je vais résister. T'as pas pu résister là, tu vois? Ouais, mais j'ai même pas d'armes. Ouais, t'as vu, t'es tombé. Ah ouais. Ah, parce que ça avait une arme, t'aurais résisté. Alors, monsieur le caillou. Non, hey, c'est quoi? C'est quoi, Marcus? Hey, dès qu'on a besoin de toi, tu vois, on va te laisser quelques heures, quelques jours, voir, histoire de préparer psychologiquement, tu vois. Et puis on va te recontacter, tu vois. Bon, ce mec-là, c'est Carlos. Et celui-là, c'est Gustavo. Moi, c'est Frankie. D'accord. Bah, enchanté, Marcus. Enchanté. Ouais, de toute façon, on a ton numéro. Vas-y, Marcus. Vas-y.
Ouais, Marcus, tu peux me montrer ta carte d'identité aussi pour nous prouver ta loyauté. Ah ouais, mais toi t'es contrôleur ou quoi toi? Ah ouais, non mais. Ah ouais, il est contrôleur, il travaille dans le train avant. Tu vois. Ah ouais, lui, voilà. C'est un ouf lui. Contrôleur au calme, ticket s'il vous plaît. Est-ce que vous avez pointé? Voilà. Ta carte d'identité, j'attends. Oui, c'est ma moto ça. Non, c'est la moto à Marcus. Le pouvoir. Oui, je me disais bien. Marcus. Force 10. Ah voilà, voilà, c'est bon. C'est bon, Marcus. Ok, vous pouvez aller, vous pouvez circuler, c'est bon. Oublie pas de pointer, hein. Bah vas-y Marcus, on te laisse repartir avec ta moto là, on se capte, inchallah. Vas-y. Vas-y. Tiens au courant. Vas-y, bisous. Vas-y au calme, à plus tard. Ah, ciao. Et oublie pas Marcus, ciao. C'est bien rencontré. Moi je vous connais pas. Carlos, tu fais quoi avec ton téléphone encore? Tu es avec ta meuf ou quoi? Voilà, t'es relou frère. Bah, toujours putain, avec ta meuf quoi. Tu es en train de draguer, mais putain, mais les, jamais vous me laissez draguer, toujours tu m'enlèves mon bob et tout. Putain. Regarde, maintenant il va croire que lui, il va croire que je suis un cul là. Ah, il a l'air pas mal hein, ce mec hein, si... Ah, il s'appelle Marcus. Ouais, il s'appelle Marcus. Frère, il a dit, il a parlé d'une entreprise, non? Bah, il a dit qu'il travaillait, ouais. Il travaillait dans une entreprise, mais apparemment, il a arrêté, je crois. Bon, Djibril, il a sorti le nom Pablito, calme. Ouais, mais c'est qui Pablito? Pinto, là? Ouais, c'est Pinto. Tu penses que Pinto, il trempe là-dedans? Il a dit Pablito Pinto. C'est quoi? C'est quoi? Je vais l'appeler, je vais l'appeler, voir si... Moi, j'ai dit, tu lui accordes un entretien, comme il t'a demandé, et après, tu vois. Ouais, vas-y, vas-y. Je l'appelle. Ouais, ça sonne. Ça veut dire qu'il est pas sûr, hein. C'est pas chez Guessure, hein. Attends, les gars, si ça sonne. Ah, il attend là, il hésite là. Si ça sonne. Non, 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 mais il s'est fait embarquer par les flics, c'est pour ça qu'il peut pas répondre. Ah, bah ouais, c'est pas un gars sûr alors, Pinto. Ah, c'est pas du tout un gars sûr, les mecs, hein. Ça, j'aime pas ça. Bon, hé, Djibril. Ah, c'est mort. Djibril, c'est toi qui vole la voiture. Qui sont chopés, là, j'aime pas ça. C'est toi qui vole la voiture, frère. Ah ouais. Les gars, on a eu de la chatte, hein. Eh, les flics étaient juste là, frère, ils avaient hélico et deux voitures, hein. Ah, il y a une voiture là-bas, les gars. Allez, montez. Oh là, je voulais t'aider à la vas-y, base. Vas-y, on va où? Mettez-moi un point. Tu veux faire quoi? Nana alors? Ouais, nana. Ah, si, il y a du nana, si, c'est à gauche. Hein. Ah, il faut passer à l'armurerie, j'achète des munitions. Armurerie, vas-y, mets-moi un point. Bien vu. Tout droit, il y a une armurerie en face. Vas-y. Eh oh, parce que toi, t'étais keuf avant. Tu sais combien il dure l'hélico? Genre, combien de temps? L'autonomie. Frère, on prenait pas souvent, donc je vais pas te mentir, je me rappelle plus, frère. Mais je pense qu'on tire, normalement, on le prenait quand c'était une situation grave, tu vois. On sort pas l'hélico bêtement pour dire, ouais, je sors l'hélico, tu vois. Donc, à mon avis, il se passe des choses, hein. Ou bien ils sont en train de poursuivre des gens qui font du nana. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, moyen. Eh les gars, je pense que le nana c'est un peu compromis pour ce soir. Hein. Là, il y a trop de flics. Hein. Ouais, j'avoue. Il y a trop de flics en vérité. Hein. Vous voulez pas tenter une fois? Je sais pas, mais t'as vu l'hélico frère, il était juste là, il y avait deux voitures de flics. Moi, je pense que les deux voitures là, actuellement, ils sont au Comico, tu vois. Lequel? Je sais pas, tu vois. Peut-être qu'ils sont juste au Comico ici, tu vois. Je sais pas du tout. Oh là, l'hélico frère, il est juste là, t'es mort. Mais c'est eux, hein. Eh frère, ils vont nous voir rentrer dans la voiture. Eh frère, j'avançais en moonwalk, tu vois. Comme ça, ils voyaient pas mon visage. Ah, il te voit, frère, t'inquiète pas. Ah merde, ah mais c'est un véhicule volé. Oh merde, putain, mais ma couleur blonde, moi, il va l'avoir direct, frère. Ouais, je mets pas de casque, frère. Venez, montez. Vas-y, nique sa mère, on se casse, frère. Vas-y, vite. Voilà, nique sa mère, vas-y, on se pète. De toute façon, c'est notre véhicule, hein. Juste perdu la carte grise, hein. Là, ils guettent le point. Ah, mais quand ils vont vérifier la plaque. Non, mais là, ils sont en train de guetter le point, en vérité. Là, ils sont en train d'appeler une unité pour qu'ils nous suivent, après. Regardez s'ils nous suivent, regardez si les coups nous suivent. Eh, rentre dans le pont, là, il y a un pont après. Ouais. Je veux dire quand tu vas tourner à gauche. Ouais, ils sont en train de nous suivre déjà. Waouh. C'est ce que tu fais, c'est facile. Ici, il y a des arbres. Ils peuvent pas. Attends. Ah oui, c'est bon. C'est ce que tu fais, tu vois, tu rentres dans le pont, tu fais un demi-tour, c'est bon. Il y a un pont. Ouais, tu rentres dans le pont, tu fais demi-tour de l'autre côté. Tu restes deux secondes dans le pont, tu fais demi-tour de l'autre côté. Ah, ils sont juste au-dessus de nous, les mecs, hein. Ah ouais. Allez, vas-y. Mais non, faut aller tourner à gauche, là. Dis, vous. Vu qu'on prend la fuite, vous voulez prendre. Fais demi-tour, il y a un tunnel là-bas. Fais demi-tour à gauche. Ils vont dire conduite dangereuse et tout. Voilà. Ah frère, t'as mis qu'il l'entend, à l'aise. Là, à droite. Ici, là. Non, pas ici, non. Il y a une route. Ah ouais, frère. Attends. Il y a une route. Ah ouais, dans le volant, dans le volant. Ouais, donne le volant. Laisse-moi conduire. Non, ils vont trouver ça suspect. Ils vont dire, ouais, je crois qu'ils tournent et tout. Ah, frère, on est déjà suspect, ils nous suivent. Ils nous suivent, frère. Ouais, il y a une voiture. Oh, c'est Barthez en plus. Barthez. Oh, tu reculé. J'arrête. Fou, allez, Barthez. T'arrêtes pas. Tu vas t'arrêter, ça sert à quoi t'arrêter, frère? Allez. Non, on va rester sous le pont, moi je dis on braque, il va descendre, on braque, on prend sa voiture, on se casse avec. Mettez vos masques. De toute façon toi t'es pas reconnaissable. Moi je suis pas reconnaissable. Non pas toi. Pas la. Dieu merci ou Dieu donné ou je sais pas comment il s'appelle. Frankie. Ouais. Les gars, Frankie Carlos. Bon. Ouais mais il y a un hélico les gars. Tourne à gauche ici. Recule, doucement. Attendez, on fait demi-tour. S'il vous plaît! La priorité! C'est ça, hein! Regardez si c'est l'hélicoptère qui nous suit ou pas? Non, y'a plus d'hélico. L'hélico il est juste en face. Il est juste en face du pont. Qu'est-ce que tu fais? Attends, vas-y. Arrête-toi là. Non, il va s'arrêter! Arrête-toi là. Oh, Barthez! Wesh! Ah, entends-moi ta grande gueule!
Vas-y, monte, 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 vite, vite, vite. Vas-y, go, go. L'hélicoptère, il est là, il est là. Allez, écoute ça. Allah. Eh, vous, ils ont les pneus blindés ou pas? Non, je crois pas. Non. Eh, tout ça. Ouais. Ah, il y a une autre voiture. Wow. Si vous voulez, on allume les pneus, hein. Wesh, le vélo, calme. Oui, montez sur moi. Wow. Bon, bah, il est venu par là, on va monter par là aussi, hein. Ah putain. La course brute la plus longue du monde. Eh, vous avez vu la deuxième voiture, il y a combien de trucs dedans? Deux. Ils sont trois. C'est 3 contre 3 là. C'est 3 contre 3. 3 contre 3, ouais. Plus l'hélicoptère, tu vois, après l'hélicoptère, je sais pas s'ils sont armés ou pas. Eh, je vous avais dit de prendre le véhicule en face, hein, là, elle est plus rapide. Voilà. Ouais, non, mais dans tous les cas, c'est pareil. Ouais, les gars, on est baisés. Vas-y, harba. Courez, les frères, courez. Bougez pas. Ah putain. Voilà. Ah, c'est pas arrêté au calme. Ils ont levé au calme là-bas. Ah ouais, rip. Mais les mains en évidence, j'ai dit. Les mains en évidence. Ah, excusez-moi, j'entends pas, c'est pour ça. Ok, j'attends les renforts. Sinon, ça va, vous allez bien? Suivez la route et voiture retournée, on est juste en contrebas. Voilà, ok, il m'a dit t'inquiète pas, mon gère et tout. Ouais, juste à droite là, juste à droite de vous là. Ouais, ça tire? Ouais. Ah, je me mets sécurité, moi, sécurité. Ouais, on va se faire tuer. Y'a des mecs qui nous en veulent là, on va se faire tuer. Monsieur l'agent, il se passe quoi là? Taisez-vous là, ah, retirez vos masques déjà, je vais vous retirer vos masques. Wow, monsieur, ça va se faire tirer dessus. Bougez pas. Mais il se passe quoi? J'ai pas envie de crever moi. Tu bouges pas. Mettez-vous contre le mur là, dépigez-vous. Tortue ninja. Les égouts calmes. Affirmative, juste en contrebas, il y a un petit tunnel là. C'est des tortues ninja. Suspect de droite, retirez le masque, dépêchez-vous. Retirez votre masque. Oui, je vais retirer, vous inquiétez pas. Je vais retirer mon masque. Affirmative, je vais les menoter. Wesh, pourquoi ouais. Tu vas j'attendre renfort. Mais on a fait quoi? Non, si tu peux les menoter, s'il te plaît. Ouais. Bah, y'a du budget dans la police, hein. Bah, mon vieux hélicoptère et tout. Pierre. Messieurs, on se calme, s'il vous plaît. Ah, bah, je suis très calme, hein. Vous allez bien? Non, apparemment vous allez pas bien. Voilà. Ici 09, les deux suspects sont menottés. Ça me fait kiffer assez habile les menottes, ça me fait kiffer assez habile. Affirmatif. T'aimes pas les menottes? D'accord, monsieur, vous allez nous suivre. Messieurs, s'il vous plaît, en avant. Ok, d'accord, pas de soucis. Oui, d'accord. Peinture. Oh putain. On va pas commenter, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Pas de problème. Pas de problème. Attends. Ok. Non, on va m'appeler. Putain. Montez dans le véhicule. Il y a papa, pas que je vous porte non plus. Ah ouais, allez, c'est dommage. Allez, rentre, mais si avec les pieds. Mais... Tu mets ton pied, tu ouvres la porte. Waouh. Montez, je monte pas debout. Non, on commence pas comme monter, ça. Allez, ok, on dépasse. Ok, ah. Mais il a pas monté, il vous dit. Montez devant, il monte après vous. Il suit mon hôtel, il peut rien faire. Il essaie de rien. Attendez, je vais le faire. Bon, faites-moi entrer. C'est ce que je fais, mais bon. Non. Ça, c'est un signe, hein. Ça veut dire qu'il faut pas qu'il rentre, hein. Il a rien fait, Mskin. Ah, j'ai très soif. Montez, vraiment, tais-toi. Pour me mettre à boire. Bon, hop, vous allez monter sur le toit, je pense. Redémunitez-le et. Ah ouais, carrément. Ah, pas possible, il va pouvoir monter. Traitement de faveur. Venez, descendez, hop, s'il vous plaît. Ah ouais, j'ai soif. Attendez, j'ai soif. Moi aussi, j'ai très soif. J'ai très soif. Moi, y'a pas toi, j'ai très soif. Moi aussi, j'ai très allez, soif. Allez, montez dans le véhicule là. Donnez-moi à boire, PSP. Vous pouvez me démenoter et que je bois, s'il vous plaît. Ah, voilà, attendez. J'ai trop soif là. Ouais, bah, parce tenez, que y'a pas le temps d'arriver au commissariat, il va tomber. Moi aussi, je dois. Donnez, monsieur, vous. Restez dans le véhicule. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. J'ai soif. Bien sûr. Je vous donne une bouteille, je vous donne une bouteille d'eau. Non, mais juste démenoter. Allez. La bouteille. Non, j'ai pas dit sandwich. Juste boire, on m'a dit faim, j'ai pas faim. Attendez, il m'a mis un doigt dans la bouche, attendez. Non, Hulk, déplace. Allez dans le véhicule, Hulk, s'il vous plaît. Allez. Putain, mais la porte est réelle, il faut l'ouvrir. Utilisez votre main, vous ouvrez. Non, mais arrêtez, pas celle-là. Bon. Arrêtez de crier. Il y en a un qui vient avec nous. Moi, je veux bien. Venez avec nous, vous êtes là, du coup. Ah, vous êtes mon. Hulk, derrière, s'il vous plaît. Vous êtes mon policier préféré. Vous allez monter à l'arrière, on verra si je suis. Pardon. Moi aussi, il veut monter avec Aziz. Non, Hulk, on a dit l'autre véhicule. Allez dans l'autre véhicule, monsieur. Monsieur Hulk, vous allez descendre. Allez, on se dépêche. Roya, il y a moyen de monter avec vous. Allez, c'est bon. Non, Hulk, s'il vous plaît, on se dépêche. Oh là là. 69, le métier, un point sur le. La donne 12, 19. On va se faire embarquer là. Je pense que ça c'est un peu la merde, hein. Vol de voiture et tout. Après, y'a que ça en vérité. On va où, messieurs? On ne sait rien. Ah, ça faisait longtemps. Vous alliez boire du tea au bar, oui. Sérieux? Mais pourquoi en fait vous nous suiviez? Enfin, vos collègues nous suivaient. Vol de véhicule. Excès de vitesse, refus d'obtempérer. Ouais, excès de vitesse, je crois pas quand même, hein. Ouais, c'est ce qu'ils nous ont dit à la radio, donc. Ah ouais, je vois. Pas croire tout ce qu'on dit à la radio, hein.
C'est bien connu. Avant d'arrêter quelqu'un, il faut quand même l'épreuve. Hein. On a vu l'épreuve. Ah bon, c'était quoi l'épreuve? L'épreuve, c'était que vous avez volé un véhicule à côté de l'arrestation qu'on a fait tout à l'heure. Ouais. On avait du coup un hélicoptère sur place. Ouais. Vous êtes arrêté au Lamination. Ouais. Donc vous êtes remonté sur le véhicule que vous avez volé. C'est assez vrai. Jusqu'ici, 10 sur 10. Rip, il y a le capitaine et tout. Allez, monsieur, descendez du véhicule, s'il vous plaît. Faut me remonoter, s'il vous plaît. Oui, c'est ce que je vais faire. On sait jamais, après, ils vont dire, ouais, tu m'as donné un tarcha et tout. Faut pas écouter ce qu'ils disent les gens. C'est le meilleur, les gars. Merci pour la porte. Tiens, bon. Moi, je l'appelle Barthez, mais bon. Mais si, on est pas au bar, ici. Francky Vincent. Ouais, mon frère. Ouais, je crois qu'il fait ça. Ouais, mon frère. Libérez-moi, frère. C'est pas plein, moi, j'ai rien. Je peux sortir. Sergent, il est où le monsieur avec le t-shirt? Juste taisez-vous. Je crois que vous allez avoir un problème de cellule, il va falloir libérer des innocents. Elle est bonne, celle-là. Moi, je vais vous expliquer comment ça se passe. Prums. Je vais vous expliquer comment ça se passait. On vous a lu vos droits, donc tout ce que vous pouvez dire sera retenu contre vous. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Si vous alliez aller au coin, s'il vous plaît, là-bas. Là. Bonne soirée, Zoumé. Bonjour, monsieur. Voilà, vous regardez le mur, d'accord? Quel est l'individu qui doit se faire soigner, monsieur? C'est Madame le... Fleury. Bonjour, Madame Fleury. Moi, je vois bien monsieur ici à l'intérieur. Moi aussi. Monsieur qui est à l'intérieur? Captain Manning, s'il vous plaît. Il est trop chaud. Est-ce que vous pouvez fermer la cellule, s'il vous plaît? Jibril, t'as pécho combien de meufs? J'ai ouvert, madame. Va falloir m'expliquer, hein. C'est là, ouais, en prison. Oh, qu'il est où? Bonjour, monsieur. Inutile de vous dire que si vous bougez ou faites un geste brusque, bon, vous connaissez, non, monsieur Salah. Quand même, ouais, passez-moi votre nume dans ma poche. Attention, si vous bougez, vous allez vous faire savate. Alors, dites-moi, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Je me suis fait allumer par un keuf. Non! Il t'a tiré dessus? Wallah, il m'a tiré une balle normale. Non! On prend des balles, des coups de taser. Vous avez mal où, du coup, monsieur? Wallah, tout le temps. Pleure pas, ouais, t'inquiète. Fais ça pour la maman. Calmez-vous, monsieur, ça va aller. Dites-moi, où c'est que vous avez mal, monsieur? La jambe. Est-ce que vous pouvez vous allonger, monsieur, s'il vous plaît? Sans but et sans mobile. Putain. Je marche seul dans la ville, tout seul et anonyme. Pour l'instant, t'es en prison. Ce sont les privilèges. Je suis riche. Monsieur, taisez-vous, s'il vous plaît. Ça fait 20 minutes que j'attends. Je croyais que j'étais coopératif. Et alors, du début jusqu'à la fin. C'est pas mon problème. Juste fermez-la. Merci. Capitaine, est-ce que vous m'autorisez à mettre un coup de taser à celui qui continue de crier là? Regarde, j'ai mal. Celle qui est allongée là, celle qui est droite. Capitaine, ça bat les couilles. Monsieur le capitaine, 12 à l'appareil. Ah ouais, le mec. C'était Cowboy City. J'ai pas entendu, monsieur, ce que vous m'avez dit. Je peux vous faire rentrer quelque chose si vous voulez. Les cellules sont pleines et tout. Bah, d'accord. On va en avoir pour longtemps. Ouais, je vais attendre 10 ans, moi. Donc en fait, ils se connaissent tous, du coup, c'est bien ça. Ok. Là, parfait. Par contre, c'est de la bêtise. C'est dommage ce qu'ils ont fait. Ils s'étaient tués, par exemple, je l'aurais jamais appris. Une petite caresse. Moi je connais personne là, à part l'ami qui est à ma gauche. Sinon, connais personne. Ah ouais, c'est clair. Moi je connais tout le monde. C'est normal, t'es un beau gosse. C'est normal, t'es un beau gosse. Ah ouais. Mec, il a 9000$ d'amende et tout. Non mais, Mais ok, il est où là? C'est haram l'alcool, c'est pas. Non, moi je prends pas d'alcool. Non, par contre, je veux pas d'alcool. Vous pouvez demander à vos collègues, hein. J'ai été très coopératif dans la voiture et tout. Il a été très coopératif, il a rien fait, aucune bavure. Je confirme, capitaine. En plus, il fait même autoradio, il a chanté Johnny. Okay. Mais non, c'est pas de jeu. Ouais, c'est Jean-Jacques Goldman. Mais où qu'il est où? Ah oui, Jean-Jacques Goldman, désolé. Bah, je peux continuer à chanter par contre. Parce que. Ah ouais, vas-y. Négatif. Quand j'étais en France, j'ai fait ça. On est pas en France, c'est jusqu'en demi-finale. Ça tombe bien. D'accord. Ici, on est en Russie, c'est une demi-finale. Vous savez me trouver. Ok. Non, mais pas de soucis. Je suis là à partir de maintenant. Vous allez me voir tous les jours ici. Par contre, capitaine, c'est possible d'avoir des soins ou pas? Ouais, moi aussi, s'il vous plaît. J'ai peur. Parce que, en fait, je me suis blessé au niveau du genou. J'espère que c'est pas la rotule, parce que sinon, ça va être encore une opération. Ah. Ça serait ma troisième. Ouais, moi aussi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai un coca à l'œil, on se demande comment je l'ai pris. Merci. Vous avez pas besoin d'y soins, vous? Bonne journée. Non, c'est bon, non. Dis-moi, c'est qui lui? Au revoir, Camille. Si, c'est Oxa. Wesh. Oui, c'est Hawk, oui. Moi. Attends, mais c'est Hawk. Oh, bon, qui a fait quoi là? Monsieur l'inspecteur, en personne. Pointe le mur, s'il vous plaît. Bon, faites-moi des briefs là. Quoi? De quoi? Bonjour, Madame Fleury. Non, je rigole. Ouais, je préfère. Au niveau du genou, s'il vous plaît. Ouais. Oui, vas-y, je peux te parler. Ouais. Ah, vraiment, hein.
Genou gauche, genou gauche. C'est le Club Med, y'a tout le monde ici. Voilà, oh, regarde, c'est Midi. Ah, dans le mic. Bougie pédale, ils ont ramené. Ah, ils ont ramené. Ouais, dans le coin là-bas, s'il vous plaît, monsieur. Eh, y'a quelqu'un qui a ramené les merguez là qu'on fasse un barbecue, quoi, parce qu'on est beaucoup, hein. Ici, voilà, parfait. Tu veux faire ou quoi, toi? Moi, de la chipolata, s'il vous plaît, pour moi. Putain, j'ai la chipolata. Je peux avoir des soins, s'il vous plaît, monsieur. Affirmatif, attendez ici en attendant. Vous voyez bien qu'elle est occupée. C'est bon, vous voulez que j'aille où? Quelqu'un d'autre a besoin de soins? Ouais, y'a le doc. Merci, 12. Ouah, il s'est fait défoncer. Lui, il en aura besoin. Y'a le doc qui arrive, putain, on voulait le soin. Donc, moi je parle pas, tu vois, j'essaie de me faire oublier comme ça. Et je crois qu'il me fait remarquer, bêtement, tu vois. J'ai besoin d'aller regarder les caméras, parce que là, ce qui veut dire que si je pars d'ici, que je vais regarder les caméras, et qu'on m'a encore fait perdre 5 minutes de plus de ma vie alors que je sors des enquêtes importantes, je vous cache pas qu'on va parler, on va vous parler avec mon meilleur ami le Tonfa, Hawk. Votre meilleur ami qui? Le Tonfa, vous savez, celui à qui je tiens la main. Pour le moment là. Ah, mais c'est une matraque. Il parle de sa matraque en fait. Ouais, mais après, moi je veux bien venir avec vous. Ah, il a une petite matraque. Non, montrez-moi juste où est placée la caméra, comme ça je peux vous dire déjà sur les murs. Parce que je pense que c'est caméra, c'est toi, non c'est ça, ça lui a pas suffi. J'ai cru. Merci. Ah, je demande juste à voir d'abord où est la caméra sur le mur déjà avant. Parfait. What the fuck? Wow. Eh, la police était pas comme ça avant de Madriga, wesh. Est-ce que j'ai besoin de... Vous allez le tuer? Je repose ma question. Il a arrêté sa carrière de foot. Est-ce que j'ai besoin... Attends. Allez, c'est reparti. Madriga, est-ce que... Parfait, 12. Calmez-vous tous. Tu peux parler avec monsieur de nation asiatique? Négatif. Beaucoup, 12. C'est moi qui pose ma question. Confirmer avec lui que sur la route tout s'est très bien passé et que par la suite, même sur ici en descendant ces lieux, tout s'est très bien passé. On est bien d'accord. Ah, monsieur. Moi, y'a pas tout terre. Monsieur Yazid, je pourrais vous parler s'il vous plaît? Oui, vous pouvez me parler, oui, bien sûr, vous avez faim. Non. Mis à part qu'ici on est en dictature et que c'est complètement nul. Ça fait plus de 20 minutes que je suis là, monsieur menotté, vous m'avez toujours pas lu mes droits. Vous me laissez partir ou comment ça se passe? C'est pas la procédure. Apparemment, vos droits ont déjà été lus. Ah, pas du tout. Attendez, je prends les ressources, attendez. Est-ce que vous avez lu monsieur Riyad, ils ont pas été lus. Hein. Franky, tu vas sortir? Le monsieur là-bas en rouge, ses droits ont pas été lus. Je suis en train de parler là. Ah, pardon. Tu me coupes pas la parole. Ok. Il va se faire. Je répète pour mes sources. 12 pour tout le monde. Est-ce que les droits ont été lus au Polo Rouge? Ils m'ont pas lu mes droits, frère. Laisse-moi partir. Ils ont pas du tout lu mes droits. Ça fait plus de 20 minutes qu'il est là. On peut rien faire. Donc si vous lui avez pas lu... Ça fait même 30 minutes en vérité. Hein. C'est plus que 20. Hein. Attends. Ouais, parce qu'il me l'a dit... Ah, laisse-moi partir, frère, j'ai rien à faire là-dedans, là. Comment baiser les flics? Tiens, là, j'ai ça. Pour quel individu, 12? Pour Polo Rouge. Polo Rouge, les droits ont été lus. Ben, alors quoi? Alors, c'est du mytho, ça. Ça, c'est un gros mytho. Hein. Aucun droit m'a été lu. Non, c'est... il était dans votre véhicule. Moi, j'ai pas lu les droits. Affirmatif. Ah, voilà. Aucun droit a été cité. Affirmatif, aucun droit ont été lus. Donc, il sera... Quand j'avais demandé... attendez. Il était dans votre véhicule, d'où c'est vous qui aurez dû lire les droits ou... J'ai essayé, mais j'étais conducteur. Ensuite, quand j'ai demandé à 69, donc 69. 69, est-ce que vous pouvez descendre dans les cellules, s'il vous plaît? 69. Année érotique. Vous pouvez remonter 09. Je vais rester avec vous. Je m'occupe de tous. Non, vous inquiétez pas, ils feront rien. Moi, je vous ai laissé en bas. Moi, je suis en train de m'occuper de l'accueil. Dans la voiture, comment vous l'avez conduit au commissariat? Négatif. Yes! D'accord. Et est-ce que je pourrais savoir où est le capitaine? Il est occupé avec monsieur Hawk dans la salle d'interrogatoire, avec le sergent. Du coup, on est dans l'obligation de sortir. Allez le voir et dites-lui que... On va s'échapper! Dites-lui que du coup, il est libéré actuellement, je vais l'accompagner jusqu'à la sortie. On va s'échapper, hop! Pour oublier de transmission des droits. C'est pour ça que je parlais pas, tu vois. Je disais rien, comme ça je me fais pas remarquer, tu vois. Allez-y, venez s'il vous plaît. Suivez-moi. Jibril, à bientôt, Inch'Allah, bibi. Allah! Occupez-vous des gens qui sont... Venez. Et du coup, pour Salah, les droits ont été lus ou pas? Les droits ont été dit pour Salah, oui. Rip lui, les rêves, il a pas eu de chance. Parce que... Après, c'est moi qui vais prendre cher encore sur cette histoire. Bah non, vous avez fait votre travail en vérité. Hein. Je me suis trompé de côté, attendez. Je vais pas me faire sortir par l'arrière. Vous allez, monsieur, venez. Vous êtes libre. Merci bien, bonne fin de soirée. Au merci bien. Allez. Allez! Bon courage, les flics! Voilà, Hawk et Djibril, ils sont restés avec lui au calme, skin. Pétard, c'est parti pour de nouvelles aventures. Ah ouais, Doc, je vais niquer. Comment allez-vous? On s'était parlé vite fait hier sur le parking. Bah ouais, tranquillement. Vous êtes nouvelle? Oui, je viens d'arriver il y a une petite semaine à peu près en ville. D'accord, c'est quoi votre nom? Il y a le Doc. Moi, c'est Mademoiselle Camille. Ah, Camille. Du coup, ton nom, c'est Fleury. Tu t'appelles Camille Fleury? Oui, Camille Fleury, oui. C'est quoi ton numéro de téléphone?
Ah, attendez. Voilà. Et vous, fait longtemps que vous êtes en ville? Oui, ça fait quelques mois déjà que je suis en ville, ouais. Ouais. Du coup, le doc, vous le connaissez bien? Bah, le doc, c'est mon chef de service. Après, je sais qu'il a confiance en moi pour l'instant, donc. D'accord. Parce que je fais du bon boulot, donc. Vous avez un petit peu son planning, ses horaires, son emploi du temps ou pas? Ça m'intéresserait en fait de passer de temps en temps des visites médicales, des check-ups, parce que je fais de la tension artérielle en fait. Donc, ce serait intéressant qu'il me fasse quelques check-ups. Ah, faudrait que je voie, mais de mémoire, non, je l'ai pas en tête, non. Ouais, je vois. Bah écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'il est à chaque fois qu'il est en ville, vous m'envoyez un petit message, vous me dites voilà, il est en ville ce soir, si vous voulez faire un check-up, c'est le moment quoi. Ouais, je peux faire ça, ouais. Oh, bah nickel. Vous pouvez vous dire de passer à l'hôpital si vous avez besoin. Voilà, exactement. Bah écoutez, Camille, ça, Camille. Oui, c'est ça, Camille, oui. Bah écoutez, enchanté de faire votre connaissance, ça me fait plaisir. Et on se dit à très bientôt alors. Ah bah moi aussi, monsieur. Ça marche, pas de soucis. Bisous. Faut qu'on le soulève, le doc.